Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur OTP, bien entendu, bienvenue en Ligue française de League of Legends, la meilleure des ligues nationales vous ouvre à nouveau ses portes. Et oui, c'est bel et bien nous, on espère que vous vous portez bien, que la LCK s'est bien passée de votre côté. T1 était merveilleux, donc j'imagine que comme nous toutes et tous, vous avez le sourire. Aujourd'hui, fin de 8e semaine de compétition pour ce regular split de printemps 2024. Et on va beaucoup en parler. Le classement est absolument dantesque. J'ai aujourd'hui la même équipe qu'hier. Les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs. Monsieur, mesdames et messieurs, c'est bien sûr Tréton et Chipsou qui sont à mes côtés avec un... Bah, Tréton, ça va ? Ouais, non, ça va. Ça roule. T'as changé les deux soleils. Donc là, tu commences à avoir des paires différentes. C'est juste que j'avais littéralement perdu celles-ci hier qui sont plus... C'était où ? Opaque à la lumière. Je sais même pas, mais genre posé quelque part. Je pense posé sur mon bureau de gaming. De gaming. Et juste, bah, comme le bureau est noir et que les lunettes sont noires, je les ai pas vues. Et genre, je suis parti vite, tu achètes un port à rire. Elles étaient où ? J'ai une blague, moi. Ah, tu l'as pas ? Non. Vas-y. On l'a tous. Ouais, on l'a tous. Twist là, mais toi, tu l'as pas. T'es encore trop naïf, Tréton. Trop innocent. Il y a rien. Il y a tout. Il y a tout dans ce move. Tréton, à part ça, à part cette. Cette affaire de lunettes rectales. Bah. Ah bah écoute, toujours pas jouant en solo queue, donc toujours malheureux. Ah, c'est demain le grand jour. Ouais, bah j'étais bloqué au restaurant avec une réunion OTP de merde, au lieu de pouvoir jouer en solo queue, du coup j'ai un peu le seum. Mais je suis quand même chaud pour la LFL ce soir, parce qu'il y a des matchs de zinzin. Le TDS Solari et le KCB DSA m'intéressent tout particulièrement. Ouais, ça va être assez fou. Chips, une réaction à chaud sur cette qualification de réunion, je cite, de merde. Oui, il s'est fait payer le repas, il était bien content quand même. Donc, La discussion était sympathique. Là, il fait les grilles, mais bon. Et toi, Chipsou, comment ça va ? Hier, on ne s'est pas croisé en solo queue, j'ai joué avec notre analyste. Non, c'est vrai. Qui m'a bien griffé hier avec Xenesis, si tu me regardes, sac à merde. Voilà, je me permets. Quel niveau, Xenesis ? Comme nous. L'eau émeralde, un truc comme ça. Mm. Mais il était en forme, l'analyste, hier. Hein, ouais. Non, mais écoute, moi, ça va. Double game de Lee Sin vers 3h du matin. Une win, une lose. 3h du matin. C'est bien payé. 3h. L'équilibre. Du coup, moins d'ILP au total. Oui, alors bien évidemment, ce que je perds plus que ce que je gagne pour l'instant. Très bien, messieurs, on fera certainement un point en after show sur l'évolution solo cutesque des ancêtres. Soyez avec nous vers les coups de 23h. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Que s'est-il déjà passé hier soir, bien sûr, en LFL, si vous étiez absent. On y va, le résumé. On avait commencé avec un assez gros match, en réalité. BKR-BDS avec... Oui. Les BDS au sommet de la technologie, très tôt. Ouais, il y a eu une très très bonne draft. La première KM support que l'on peut voir ici joué par Parus, même si c'était pas mécaniquement parfait, ça rentrait très très bien dans la draft. Avec une Shockwave qui pouvait suivre, aussi une Kai'Sa du côté de Kidui. On a eu le droit au Urgot, un petit peu signature de GNX. Et ils ont dominé la game sans trop de mal, avec tout de même à mentionner le Smolder d'un samedi qui a donné tout ce qu'il pouvait. On le voit d'ailleurs là, il a fait un maximum de dégâts. Mais ce n'était pas suffisant contre des BDS Academy qui enchaînent leur 9e victoire d'affilée. Ils ont donc gagné en une série contre toutes les équipes de LFL, ce qui est big. Ouais, vraiment très très big. Félicitations au BDSA. Vitality contre Mate, un de ces fameux matchs d'équipe à égalité, Chipsou. Et les Vitality qui enchaînent leur série de victoires. Pour les Mate, ça chauffe. Pour les Mate, c'est assez dramatique, même la situation actuellement, même si tout n'est pas perdu. Mais l'agenda de fin n'est pas aussi clément, notamment quand on parle de la dernière semaine. Et ouais, Vita, early un peu compliqué, mais gros scaling, très très gros scaling. Ouais, ils ont été solides malgré tout, TDS Aegis, série de défaites qui continue pour le bouclier, et les TDS s'en frottent les mains. Ouais, les TDS qui jouent bien le coup, la draft de Aegis qui permettait pas beaucoup d'erreurs, parce qu'il y a juste pas de dégâts, un Fuven qui a été plutôt bon, globalement TDS a fait le travail, c'était pas impressionnant, mais ça a suffi pour remporter la victoire, ce qui est le plus important. Le cassé Géo et cette action crève-cœur pour la Red Storm, bien sûr, hein, le clip a été bien choisi, mais c'était un beau match, Chips. Ouais, j'avoue, la dernière action reflète d'une certaine façon le match aussi qui a été parsemé d'outplay, de misplay, en fait, 48 minutes de jeu, hein, on a eu 3 Elder, il me semble, moult Baron Nashor, ça a été, c'était un match divertissant, très très divertissant. Je ne l'aurais pas mieux dit. Soleil contre Game World, la deuxième rencontre de la soirée, Tréton, avec enjeu playoff capital. Là aussi très divertissant de par la game de Myrtus et le focus qu'il a pris avec son Alistar. C'est vrai que les Game World avaient un petit peu la haine contre Soleil et ça leur a coûté pas mal de teamfight, un peu trop de focus
sur la vachette, une composition de Solari qui était très très forte en front to back. C'est pas comme si en face il n'y avait rien non plus, hein, parce que Karma Smolder ça a peut-être pu répondre, mais côté Gamor, on n'a pas réussi à trouver les bons scénarios pour que le Smolder de Mathias puisse faire les dégâts escomptés. Ouais, ça simplifie pas le classement, tout ça, bien sûr. On va en reparler un peu plus précisément dans quelques minutes de BDSA et de KC, hein, les deux équipes top 1, top 2 qui vont s'affronter aujourd'hui dans le cadre du match de la semaine. Les Geostol en troisième position, tout comme les BKR en quatrième. Et là, bah, c'est là que ça commence à devenir hyper compliqué, entre Vita, Solari, Game War, TDS et même Gentleman. Les SG, malheureusement, ne font plus partie de la discussion, mais dans ce peloton. Température très élevée, et vous allez le voir, on va pas mal en parler aujourd'hui. La fin de saison est pas pareille de chaque côté. Il y a quand même des équipes qui ont des fins de saison assez, assez difficiles. Et on va vous réexpliquer également les règles d'usage sur les éventuels tie-break au cas où ça vous serait sorti de la tête. Mais ces règles-là vont pas mal influencer les chances de progression de certaines équipes. Petit tour d'horizon des tweets, de réactions. Hier, on a eu d'assez beaux matchs. On va commencer par Myrtille. Cet Alistar. Inax a lui-même félicité cet Alistar, figurez-vous. What the fuck my Alistar, GG Game World, 7-8 now, etc. Et je trouve le cosplay de Myrtus assez bien réussi. Il est musclé ce buff, et je pense qu'il fallait bien ça pour encaisser tous les ultis des Game World à chaque teamfight. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce montage de merde, j'avais pas vu. Le montage est horrible, mais c'est ce qui fait tout son charme. Après, le montage aurait été. Il y a de belles cloches, hein, cette Alistar. Franchement, le montage aurait été encore plus exceptionnel si ça avait été avec la coupe de cheveux récente de Myrtus. Il est vrai, Choupi qui est passé hier en interview, on était très heureux de l'accueillir. Voilà, merci beaucoup Inax pour ça. On enchaîne derrière, ma mémoire. Ah oui, Géo, bien sûr. Il s'est passé un truc quand même. Karma a été piqué par Géo. C'est vrai. Et je peux même le dire, parce que j'en ai discuté un peu avec Duke. Ah. Il m'a dit, je pense que le champion est fort quand même. Oh ouais. Mais non. Mais on sait tous que le champion est fort, mais que lui avoue que le champion est fort. La mort dans l'âme, il t'a dit ça, non ? Il y a un peu ce côté-là. Il a pleuré ou pas ? Ouais. Mais bon, on les a vus, les karmas, notamment dans les mains de BDS, ça fonctionnait très bien, etc. Mais c'est vrai que de la part de Duke, voilà, c'est. Il était chaud, Sixten, en plus, hier. Hein. Il a bien. Non, mais c'est bien qu'il ait Doctor Strange, parce que du coup, dans ce multiverse-là, Duke devient un bon coach. T'as rien. Pas mal du tout. On le prendra en interview ce soir. Tiens, tu pourras lui parler nice. Un petit peu de cette citation. Réaction de Caliste, bien sûr, après la victoire sur le fil, du coup, contre la Red Storm hier soir. GGGO, beaucoup de choses à apprendre de cette game. Il est vrai, hein, il est vrai. Beaucoup d'erreurs, tu le disais tout à l'heure, Chipsou. C'était le boxon, c'était stressant. Et à demain, bien sûr, pour BDS et 100% nous regrette sur Draven. Ça, c'est de la stat. Ah, c'est un très bon tweet, mais pourquoi il regarde l'anneau comme ça? Ça fait un peu vibe sur Zano, c'est moi là. Donc tu dis que Caliste ressemble à Gollum? Bah, pas forcément, il n'y a pas que Gollum dans la série. Frodon, Sam, Gollum. Ouais, les trois sont pas ouf. Mais non, ça pourrait être Boromir. Après, il meurt, mais ça pourrait être Boromir. Oh merde, je spoil. Ouais, non, je Ça, c'est du spoil de qualité. Ah, Dark Vador est le père de Luke Skywalker, mec. Le spoil de Zanzan. OMG. Merci, Tréton. On enchaîne de l'autre côté, bien sûr, parce que le côté... Bilbo aussi. Bilbo, effectivement. Bilbo aussi, tout à fait. Jésus, voilà, hein, ça, c'était avant le match. Il a remis un tweet après le match. Mais celui-ci, je lui laisse, puisqu'il était juste sad, notre petit Jésus. Et on le comprend. Mais il soulève un point, quand même. C'est que c'est pas 100% fait, hein, quand même. Pour... Oui, c'est sûr, même si, bon, en réalité, franchement, pour que Géo soit pas en play-off, là... Alors, Vladi, qui a loupé beaucoup d'Ultimate hier, et Vladi, on va le voir sur le prochain tweet, qui a également échangé avec toi, Tréton. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les interactions que tu as eues avec le mid-laner de l'AKC qu'on va pouvoir constater en image? Je veux pas en parler. En plus, après, il m'a dit ratio et tout, machin, j'avais trop le seum. Oui, bah oui, je suis lolo en ce moment. Mais en plus, le doigt qui pointe, j'ai l'impression qu'il pointe direct sur moi. Genre. C'est bien choisi. Hein. C'est bien choisi. Et... Tu sais que le tweet de Vladi, enfin l'échange, je l'ai vu que ce matin. En ouvrant les yeux, j'ai ouvert Twitter. C'est quasiment le premier truc que j'ai vu, j'ai like. Non, en plus, il m'a insulté après en DM et tout. Enfin, c'est trop une merde. Mais il faut que je monte absolument challenger et il faut que je me réveille en solo queue parce que là, ça va plus loin. Après, bon, lui aussi, il est lolo par rapport à son jungler. Donc, il faudrait peut-être qu'il calme un peu quand même.
Ouais, mais dans le versus entre toi et lui, ça compte pas. C'est vrai. Après, les Shockwave, ça, ça compte. Et il va falloir en toucher ce soir contre BDS Academy. Parce que contre BDS Academy, ça passera pas. Mais, nonobstant, il a fait une perf d'Oriana égale à la perf d'Oriana Dricker. Les deux étaient low. C'est du flame, du coup. Oui, sur les deux joueurs. Les deux ont pas fait une bonne performance hier sur Oriana. J'espère que ce sera pas un pic joué ce soir ou joué de manière plus convaincante. Très bien, très bien, très bien. On va voir. Hein. Vladi comprendra en interview à nouveau, du coup, si jamais la victoire est de son côté, qu'il est absolument pixel. Allez, on regarde le planning, mesdames et messieurs. On a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à voir. Les cinq matchs de ce soir sont méga importants. Le Bekarog Game World, bah, mine de rien, Bekarog, c'est pas encore fait de leur côté. Hein. Il faut quand même le rappeler, surtout qu'ils sont en série de défaites. C'est un peu la même situation aussi en termes de série pour les Game World, qui sont dans ce fameux peloton compliqué. Mais vous allez le voir, ils ont pas forcément la pire des situations. Vita contre Géo, bien sûr, pour les Géo, il y a un autre enjeu. On va en parler tout à l'heure, mais il y a possibilité d'accès au top 2, même si ce dernier, après la victoire de Casey hier, est normalement validé entre BDS et le Blue Wall. Solarité DS, alors là, c'est le match de tous les espoirs. Le match est trop important pour les playoffs. Hein, genre c'est... En vrai, c'est un match de fou entre deux structures qui se connaissent bien. Ça va être très, très, très intéressant de le suivre. Pour moi, c'est l'un des matchs les plus intéressants de la journée, clairement. Cassé BDS, c'est le match de la semaine, top 1 contre top 2, on va en reparler tout à l'heure, mais dans les enjeux, BDS en cas de victoire validerait la première position de cette saison régulière et le Blue Wall pourrait éventuellement challenge cette position s'il l'emportait aujourd'hui avec un bon concours de circonstances. Parce que dans le match aller, évidemment, il y avait déjà une victoire de BDS, donc ils pourraient simplement sceller leur saison. Et on termine avec Aegis contre Gentlemate. Ces deux équipes, en réalité, qui sont très fragiles en ce moment. C'est vrai, mais une a quand même des choses à jouer. Bon, Gentlemate veut aller en play-off, bien entendu, alors qu'Aegis n'a plus rien à jouer, si ce n'est essayer de terminer ce split de LFL sur une bonne note en stoppant cette série de défaites. Mais la pression est plus du côté des mates, je pense. Ouais, complètement. Aegis qui pourrait tacler ancien mid laner et tout, genre sur le passage. Comme quoi, le planning est plutôt bien pensé. On regarde les chances d'accès aux playoffs. Du coup, mesdames et messieurs, c'est un petit peu là que se centralisent tous les débats. Pour KCBDS, c'est bon, hein, c'est validé. On n'en reparle plus. Pour Géo, globalement, c'est quasiment fait. BKR aussi. Bref, passons au reste. Et vous allez voir que, donc, on a Vita. Et on a Solari qui sont plutôt dans un bon spot avec victoire récente. On peut avoir le même commentaire pour la team du Sud. Mais du coup, pourquoi, selon vous, les Game Ward et surtout les Gentlemates sont aussi bas dans ce pourcentage d'accès aux playoffs ? Laisse-moi réfléchir. C'est probablement parce qu'ils sont en train de faire beaucoup de défaites, et ce récemment. Et puisque récemment, c'est les matchs au retour. C'est beaucoup de défaites en match retour, et faire des défaites en match retour, c'est la merde pour les tie-break, donc dans les scénarios, ils passent souvent à la trappe. C'est exactement ça. Je me permets de juste reformuler pour que ce soit vraiment limpide. En cas d'égalité en Ligue française de League of Legends, nous allons tout d'abord regarder le face-à-face entre les deux équipes qui sont à égalité. Si jamais il y a une équipe qui est à 2-0, elle l'emporte, il n'y a pas de débat. Si jamais les deux équipes sont à égalité, donc 1-1, eh bien on va aller regarder le nombre de matchs retour remporté durant la saison. C'est la manière en LFL de récompenser la performance la plus récente. C'est déjà mis en place depuis quelques années maintenant. C'est un système qui déjà nous semble plutôt fair et nous économise pas mal de scénarios de tie-break, il faut le dire de manière transparente. Donc il y a ces deux données à regarder avec beaucoup de précision. On va aller ensemble regarder la première. Regardez donc ces fameux face-à-face entre les équipes qui sont les plus concernées, donc dans l'ordre. Game Ward, Gentlemate, Solari, Team du Sud et Vitality B. Alors, pour des raisons de clarté, vous avez quand même à la fin le petit résumé, hein, bien sûr. Donc, vous voyez que les Vita sont plutôt pas mal. Les Game Ward ont tout joué, quant à eux, concernant les équipes qui sont en face-à-face. Voilà, c'est pour ça que vous avez une différence de game joué. Pour certaines, dans le planning, il reste encore des matchs à confrontation directe à opérer, mais voilà, c'est pas le cas de Game Ward par exemple, et ce n'est pas le cas non plus de Gentlemate. Et du coup, quand on fait le bilan, Mate 3-5, c'est compliqué quand même. Bah ouais, les Gentlemate ont en réalité un seul match-up positif, c'est contre Solari, et deux match-up négatifs face à TDS et Vita. Ce qui veut dire donc, pour faire un cas d'application, si jamais il y a une égalité entre Gentlemate et TDS ou Gentlemate et Vita, les Gentlemate seraient automatiquement perdants. Ouais.
Donc, Gentleman, d'une certaine façon, a plutôt envie que Solari. S'il y a une équipe qui se tire de tout ça avec eux, ils ont envie que ce soit plutôt Solari. Exactement. Gentlemate sont team Solari à fond les ballons. Évidemment, c'est tout l'opposé pour la team d'amis. Vous l'aurez assez facilement compris. Ça, c'est la première data qui ne va pas en la faveur de Gentlemate ici et qui est plutôt confortable pour d'autres équipes. La team du Sud, par exemple, a un assez bon bilan. Maintenant, on va aller regarder les matchs retour, mesdames et messieurs. Et donc, les résultats récents depuis la mi-saison. Et vous le voyez ici, bon, on a mis toutes les équipes quand même pour avoir un petit seuil de comparaison, juste pour illustrer la très très bonne performance de la team du Sud, en réalité, parce que tu as BDS et KC qui sont à 6 sur 6, 5 sur 6. Mais la team du Sud, le win rate, il est impressionnant. Le win rate est très très bon. De toute façon, sur les matchs retour, team du Sud n'est pas si loin de faire le carton plein. Ils ont vraiment de belles performances. Puis les 4 victoires là sont d'affilée en plus. Donc c'est vraiment un état de forme qui est... impressionnant. Et pour Mate, encore hier, il y avait qu'une petite victoire d'écart avec les autres qui pouvaient être égalité pour les playoffs. Maintenant, il y a un petit break qui s'est créé, même avec Game Ward, Vita et Solari, et ce avec seulement 3 games restantes. Donc c'est vraiment très très problématique pour les Mate qui vont devoir gagner leurs 3 games et prier. Absolument. Et il y a une autre donnée qui s'ajoute à tout ça, c'est le planning restant. Et là, messieurs, c'est absolument terrible, je pense, parce que on danse pas, voilà, on n'est pas sur un pied d'égalité. Il y a des plannings qui sont relativement acceptables, comme celui de Vitality B, qui vont affronter Team du Sud et Solari après le match d'aujourd'hui contre la Red Storm. Mais il y a par exemple le planning des Gentlemates pour la dernière semaine de saison, qui devront affronter le Blue Wall et Géo et la Red Storm. Ouais, donc deux équipes qui, bon, bah, concrètement, se sont battues pour la deuxième place un long moment. Avec la victoire d'hier, Cassé a peut-être, ils ont réussi normalement à obtenir cette situation favorable. Mais effectivement, enfin, c'est, tu fais quoi ? En fait, regarde, t'es dans, pas dans la lumière quand t'es penché. T'étais penché, t'étais un peu dark. Du coup, je t'ai remis dans la light. Ah, tu peux continuer ton point. Donc oui, bah, concrètement, ils font, c'est le planning très très difficile pour Gentlemen, parce que Géo et Cassé sont des très très gros morceaux. C'est des équipes qui sont dans le top 3, et donc pour Mate, c'est le pire. C'est le pire. Et c'est ça le côté un petit peu cruel des calculs de pourcentage, c'est que on ne considère pas la complexité des affrontements. Non. Là, on est dans un cadre de 18% d'accès aux playoffs pour les Gentlemen, sans considérer la difficulté des matchs qu'il leur reste à disputer. Ouais. Et bon, le truc, c'est que c'est toujours difficile à pondérer dans ton calcul, mais effectivement, si t'arrives à faire, si t'arrives à inclure ça d'une façon ou d'une autre, le pourcentage est censé être plus bas encore pour Mate. Pour le programme très proche, on a vu tout à l'heure, ça joue contre Aegis, donc à ce niveau, normalement, Mate, bah, l'équipe la plus simple de la Ligue sur le papier. Mais d'un autre côté, avoir l'équipe la plus simple de la Ligue quand t'es en Chain News comme ça, c'est aussi une pression de fou, parce que t'es obligé de les battre. Et c'est pas forcément facile de rentrer dans une game où t'es à ce point-là favori, dans un état de forme qui est si mauvais. J'aimerais pas trop être à la place des joueurs de Gentlemate, honnêtement. T'aimerais être à la place de qui dans tout ce schmilblick, mine de rien? Je pense que Vita et Tibi, t'es bien. Vita sont pas mal. Ils sont revenus et tout, ils ont des très très bons joueurs, ils ont plus ou moins des bons vis-à-vis. Je pense que Vita et Tibi, s'il devait y avoir une équipe qui peut être un peu au-dessus de la mêlée dans toutes les équipes qui peuvent faire les playoffs, je pense qu'on pourrait les citer. Évidemment, TDS, la run est probablement très très belle, mais le truc, c'est qu'ils ont quand même cette petite victoire de moins. Ils ne sont pas vraiment dans le top 6, ce qui est le cas actuellement de Vita. Quoi. Ouais, ça donnera bien sûr le match contre Solari ce soir, extrêmement important. Et on va d'ailleurs commencer par celui-ci. On va focus sur deux matchs, Solari-TDS. Donc, pour commencer, le fact, il est simple. En réalité, en introduction, si TDS l'emporte, ils passeront directement devant Solari, par la magie du face-à-face, puisque si TTS l'emporte, c'est 2-0 contre Solari, et donc le head-to-head gagnant en jeu de monstres. Et on va regarder justement les historiques récents des deux équipes. On commence par la team du Sud et cette fameuse série de 4. Elle est belle, cette série, hein, mine de rien. Ah, c'est une belle série, parce que je pense en plus que c'est contre des plutôt belles équipes. Bah ouais, de fou. Quand tu vois Joe Baker, Gentlemate, c'est clair que par rapport, c'est sur le papier et tout, et même pas ce qu'on voyait dans les matchs allés, on se disait pas que TDS allait pouvoir sortir des grosses games contre ces équipes. Et ils le font de manière de plus en plus convaincante. On parlait il y a pas si longtemps de early game qui était très très difficile pour la team du Sud, qu'ils ont gagné très très peu. Bah récemment, quand même, ça devient de plus en plus convaincant, même si contre Geo, ça a été un petit peu compliqué à ce niveau-là. Le temps de game est un petit peu long, et c'est un peu leur style de jeu. Il y a beaucoup de teamfight. Pour le moment, ça passe et tous les voyants sont au vert pour la team du Sud. Ouais, le Aatrox a mis bien, hein, clairement, de leur c'est côté. Vrai. Aatrox, Varus, généralement, s'en sort bien avec ces deux champions.
pour la team du Sud. Et donc, ce soir, contre les Solari, on imagine qu'ils vont être pris pour cible. Les Solari, allons les voir. Ils sont pas si mal, eux aussi, hein, mais dans les quatre derniers matchs, ils sont à 2-2. Ils ont quand même eu une victoire assez importante contre Cassé, qui ne les caractérise pas comme une équipe qui stompe les Lotières et se fait stompe par les Haïtiens. Ouais, c'est assez étonnant, Solari, parce que au passage, hein, ça fait quelques temps là qu'ils ont laissé de côté leur bonne vieille habitude des séries. Et maintenant, ouais, c'est du une victoire, une défaite, une victoire, une défaite. Donc, si on prend ce nouveau rythme, peut-être qu'aujourd'hui pourrait être une mauvaise journée pour Solari. Mais bon, honnêtement, quand ils sont à leur pic de jeu, j'aurais quand même tendance à aller voir au-dessus de TDS. Mais TDS a la forme, TDS a le pastaga. C'est vrai. Mais TDS n'a pas les louanges de BDS Academy. Les louanges ? Ouais. BDS en interview qui disent que Solari est la meilleure équipe. Ah oui, d'accord. C'est quand même un truc important. Ouais, pour remettre dans le contexte, BDS Academy, c'était Genax qui nous avait dit que Solari était la seule équipe de RL à avoir une rate positive contre BDS Academy. Ce qui veut dire que Solari peut quand même jouer un très très bon niveau de jeu. Et je pense notamment leur mid jungle qui pour moi est très 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 bon, DK et Cass, qui arrive toujours à faire de belles perfs et qui devrait être un petit peu au-dessus de Team du Sud, modulant la performance de Tinks en particulier et le champion qu'il va avoir ce soir. Je pense que ça va être très très important, le match-up jungle. Il y a aussi le côté où face à la pression, face à l'inévitable, tu sens qu'il y a un buff TDS quand même qui se met en place. Pour les Solari, dans ces moments de haute pression, généralement on a eu des fins de partie assez rocambolesques, si j'ose dire. On échangeait un petit peu là-dessus avec Myrtus hier en interview. Il y a eu pas mal de moments de grande frustration. On verra s'ils ont passé le pas et s'ils arrivent à conclure proprement ce soir, ou si finalement eh bien, c'est inscrit dans l'ADN de ce roster, en tout cas pour ce segment de printemps. Quoi qu'il en soit, Solari contre TDS prévu à 20h, mesdames et messieurs, une affiche qu'on vous recommande chaudement, d'autant plus qu'elle sera juste avant le match de la semaine dont on va parler tout de suite. Carmine Corp contre BDS Academy, enjeu simple également là-dessus, je vous en parlais il y a quelques secondes. En cas de victoire de BDS Academy, ces derniers sécuriseraient tout simplement la première place de cette saison régulière par la magie du face-à-face, une première place qui serait du coup très largement méritée. En cas de victoire ce soir, on atteindrait la 10e victoire consécutive. Comme quoi les tier list étaient totalement dans le vrai, plusieurs angles sur lesquels aborder ce match. Tout d'abord, les champions. Parce que BDS est une équipe qui est ô combien créative. On voulait mettre les images au début, mais on s'est rendu compte que c'était compliqué. Parce qu'avec 12 champions top, 12 champions bot, 11 et 10 en mid-jungle, on met juste le trombinoscope de la faille. Non, mais c'est vrai qu'il y a du Urgot top lane, il y a du Nu dans la jungle, il y a Amisu, Bard, Pyke, Camille et tout en support. Ils jouent un petit peu tout et c'est d'autant plus impressionnant parce que souvent des équipes qui font des séries comme ça, surtout à niveau RL, ont tendance à être un petit peu, one-trick composition. Conservateur. Conservateur peut-être, en tout cas toujours de jouer la même chose. Ouais. Et vraiment d'avoir le même style de composition, ce qui n'est vraiment pas le cas de BDS en fait. Je te rejoins pas mal, parce que tu vois là, comme ça, je pense que Cassé, je peux assez facilement citer les champions sur lesquels chacun de leurs joueurs perf le plus. Tiens, vas-y, bah, par curiosité. Bah top pour moi, c'est Aatrox, Aatrox Gragas, ouais, je dirais. Il y a eu du très gros Evern sur la mid lane qui leur a beaucoup sur la jungle qui les a beaucoup servi. Ouais. Du coup, Vladi qui s'était mis pas. Il y a eu de la Vaille aussi, hein, de la Vaille. Et de la Rel aussi, des bonnes games de Rel de la part d'une Saz que j'ai bien aimé. Vladi Azir, Azir Trist. Je dirais, c'est les deux champions sur lesquels il a le mieux perf. Kaliste, il y a le Draven, le Smolder, Pharus, pour moi. C'est ça à peu près. Et Fléchi, de mon point de vue, c'est les champions à ouf, vraiment. C'est Note, Pyke. Assez fidèle. Voilà. Note, Pyke, Blitz. Ouais, voilà. Et c'est vrai que du côté de BDS, par contre, c'est plus difficile, je trouve. Ouais, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Petit fact pour argumenter autour de l'INSAS. Depuis que la Carmine Corp a eu cette semaine en double hiverne avec 3 morts, hiverne et permaban contre la cassée. Voilà, c'est un petit fact. Qui n'est pas étonnant du tout. C'est un petit fact assez sympathique. Mais, potentiellement, comme il y a Nunu en face en réponse,
Je me demande si BDS a pas cette carte Joker en main. C'est vrai, le Nunu qu'on a vu la semaine dernière en counterpick d'Ivern qui était assez lourd. On parle de BDS pour terminer un petit peu le propos là-dessus, avant de pouvoir lancer la soirée. C'est l'histo BDS, hein, c'est bien ça, oui. Bien entendu, j'arrive même pas à me relire tellement j'écris comme un sauvage sur mon carnet, c'est terrible. C'est bien. Mais voilà, tu parlais de ce Nunu. Bah, mine de rien, cette diversité BDS Academy est assez explicite dans leurs 4 dernières games. On a du TF Top, on a de la Vayne, du Sion, du Urgot. Enfin, ce ne sont que des champions différents, hormis pour le mid et le support. Ouais, bah, quand tu as une telle diversité de champions, de toute façon, en général, ça veut dire deux trucs pour une équipe. Soit que tu ne sais pas ce que tu fais et que tu te cherches, soit que tu es super confiant. Et en l'occurrence, quand tu vois la série de BDS et leur qualité et leur niveau de jeu, bon, bah, je pense que pour eux, ça traduit une énorme confiance, tout simplement. Alors, franchement, respect à Janax, hein, parce que jouer Urgot, Vayne, Sion, TF, les champions qui sont tellement différents, pour moi, ça veut tout dire, quoi. Mais même Skumonde, hein, moi, je trouve que Skumonde est un petit peu un banger caché, en quelque sorte. Parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, les profils des junglers qu'il opère sont sensiblement différents. D'ailleurs, petit moment d'appréciation pour Skew, qui, bah, c'est la première fois qu'il est en Gaming House. Il a les moyens de réaliser son rêve, etc. Il est bien performé dans une très très grosse équipe avec de l'expérience LEC autour de lui. Avant, il jouait dans des conditions chez lui, dans la même chambre que ses frères, etc. Il faisait ce qu'il pouvait et tout, mais il n'a jamais eu les conditions aussi bonnes que celles de BDS à Genève. Et ça se voit que ça fait aussi la différence, parce que son niveau de jeu est super régulier. Ouais, 10 sur 10, et on vous rappelle accessoirement que le top 2 validé, donc c'est le cas de BDS et de Karmine Corp, eh bien ça qualifie automatiquement aux IMI et Masters, puisque les changements de format que vous avez certainement vu sur les plateformes ne seront appliqués qu'à partir du Summer Split. Voilà. Donc pour l'instant, on reste à la recette maison. Et donc, du coup, a priori, nos deux premiers représentants LFL en IMI et Masters seront BDS Academy et KC Blue, ce qui est lourd. Ouais. Oui, bah, complètement. C'est attention, c'est un jeu représentant. Hein. Attention à un Géo qui peut être comeback sur KC. Très vite. Ça peut éventuellement comeback, mais il faudrait une full victoire Géo et une full défaite KC avec le résultat récent d'hier soir. Pas évident. Pas évident. Pas impossible. On est bien d'accord. Allez, messieurs, sur qui avez-vous investi dans les matchs du jour? Observons. Hier, il y a eu beaucoup de 5 sur 5. Je crois que c'était vous deux qui étiez en 5 sur 5, non? Moi, j'étais 3. J'ai tenté les trucs hier. Aujourd'hui, j'ai rien tenté. Ah, c'était noir. Ouais. Sachant que Striker aussi était en 5 sur 5 hier. Et Twitter. Et pour seulement Twitter, tout le monde avait plutôt bien pronostiqué. Twitter, d'ailleurs, qui se met sur TDS, tout comme Striker, les deux seuls TDS de la journée. Ouais. Et BDS et KC qui vraiment séparent les questions en règle générale. BDS KC, absolument. Et on a aussi pas mal de Aegis, hein, les gars. Putain. Situation de fou. Mais t'es tellement dans le dur. Mais je sais pas, après, Aegis m'a pas montré grand chose quand même depuis longtemps. Donc j'ai quand même du mal à y croire pour Aegis. Mais bon, mais t'es tellement dans la sauce. Putain, t'as copié mes pronos, truton. Ouais, mec, j'hésitais avec le Game Ward. Tu joues la sécu, t'es nul. Je joue zéro la sécu. Bah, moi je suis comme vous. Hein. Je vais vous fumer en plus. Non, mais attends, mais je peux pas jouer la sécu. Enfin, y a pas de sécu aujourd'hui. De jeu que Solari TDS et KCB DS, pour moi, y a pas de sécu, tu vois. Et je trouve que Game Ward mériterait plus de votes. Dans cette journée particulièrement. Imo. Tu trouves, mais. Ça se défend, mais hier ils m'ont rendu. Chèvre. Hier ils m'ont rendu. Bœuf. Bœuf. Ils m'ont rendu Alista. Après, exactement. Les Game Ward. Je pense, moi j'ai une théorie, c'est que le virus ou la bénédiction, comme tu veux le voir, des séries de Solari a été transmise avec Steelback et Peng à Game World, parce qu'il y a beaucoup de séries de win, séries de lose. Et du coup, j'ai pas regardé, mais je pense qu'il y a un peu de ça. Et du coup, Game World, à quel moment ils vont recommencer une série de win? Parce que là, ils sont clairement en série de lose pour le coup. Maintenant, ce serait pas mal, hein, pour le coup, parce que va falloir lancer la machine. Aujourd'hui, pour les Game World, mine de rien, c'est Bekarok, bien sûr, en match d'intro. Mais la semaine prochaine, c'est KC et Aegis. Donc, s'il y a une série de victoires qui peut partir, qu'elle parte fast. Ça leur assurera une bonne fin de saison. Dans tous les cas, mesdames et messieurs, le mystère est complet, honnêtement, et on suivra l'évolution de toutes les qualifications au rythme des parties du jour. Nous sommes prêts, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, chers amis, pour ce pré-show. On va pouvoir vous renvoyer directement vers le match d'introduction qui, comme je disais il y a quelques instants, va opposer donc les Bekarog au Game Ward. Et bien entendu, on vous laisse avec une superbe dégustation de notre teaser du match de la semaine réalisé par Jundis. Match de la semaine prévu à 21h entre Karmine Corp et BDS Academy. Que la soirée de LFL commence. Yeah.
quatrième semaine. Dash, il est à 2. Ce sera la game pour les BDS Academy. Oui, c'est totalement gagné. BDS Academy conserveront leur chaîne de victoire et de lead. I don't think against KC it will be any different than against other teams. It's just on us to win this game. BDS Academy, 8 victoires consécutives, 4 semaines d'affilée invaincues. Les BDS, ta série est impressionnante. Complètement la roquette de Paris, ça y est, on a réussi à trouver Kaika, va se faire one shot, c'est peut-être le tipette pour les BDS Academy. On se projette facilement sur Mao. Les BDS Academy vont réussir à le faire et finalement les mates vont devoir perdre. Pour beaucoup trop de dégâts. L'onde de choc, ça ramène Checolade. Checolade qui va tomber dans la foulée directement. Et là, c'est la Bérésina pour les Bécarog. La KC se jette dans le fight. Et combien annihilé les derniers éléments des BKR. C'est terminé. C'est un G-Days pour Carmine Kourou. Repositionnement du côté de Kedui, le transfert qui est dans le seulement, mais le heal, on arrive à se mettre en sécurité. Ouais, ils ont une très bonne équipe et ils sont actuellement premiers, mais ils nous ont juste battu au Elephant Days, c'était très close et on va leur montrer ce que c'est une équipe qui gagne des titres. Après le match aller au Elephant Days, je pense qu'on est sur une très bonne lancée. On n'a pas perdu une seule game, c'est à eux d'avoir la pression contre nous, pas l'inverse. C'est compliqué, on n'est pas bien coupé, on n'est pas bien coupé. Jena, ça va flasher. Taker peut-être, pas la partie sur Caliste. Caliste qui fait stand. Il y a encore l'autre gardien, il faut défendre Caliste du côté de la KCB. Qui va continuer des DPS. Et de Jena, est-ce que ça peut Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette 8e semaine, 2e journée. Et on va ouvrir directement les matchs dans la draft avec un petit Bécarog contre Game Ward. Vous avez suivi le pré-show, vous pouvez le voir, tous les matchs sont importants. C'est tendu, hein. C'est vraiment très tendu. On a. Mais j'ai l'impression de dire ça chaque saison. Oui. En vrai, chaque saison, on a des scénarios de fou. Et juste. On n'a pas assez d'équipes qui perdent, quoi. En fait, tout simplement, c'est vraiment très très compliqué. Je peux vous assurer qu'en pourcentage, heureusement qu'on a des stromons qui nous calculent tout ça. Ouais, sinon, on sera en train de s'étouffer. C'est plus sympa parce que de temps en temps, dans certaines ligues, t'as quasiment 6 équipes 3 semaines avant la fin. Je pense à des choses comme la LCK généralement, où tout est lock et tu fais bon, on va jouer pour le fun. Allez. Ouais, tu joues quand même Yumi. Bon, bah pas de fun non plus. C'est bien vrai. Mais là, pour le coup, on a quand même deux équipes qui ont clairement pas la même situation. Les Bécarog, en vrai, ils sont à une win. Genre, il leur faut une win pour accéder au top 4 et juste mettre tout ça derrière eux. Oui, mais bon, c'est la plus dure. Tu sais qu'il y a un monde où c'est eux les dindons de la farce. Hein. Mais oui, mais c'est toujours la dernière game de placement qui est la plus compliquée, celle qui te met le plus la pression. Ouais, c'est assez dingo, tandis que de l'autre côté, bah, les Game Ward, mine de rien, les Game Ward, on s'attarde moins dessus parce qu'ils n'ont pas la meilleure situation, mais ils n'ont pas la pire non plus. Mais leur spot est pas méga confortable parce qu'ils sont en série de défaites. Mais malgré tout, c'est surtout ce match-là qui compte quadruple pour ces derniers. C'est pas une confrontation directe à proprement parler, mais c'est un puntos qui dépend pas des résultats des autres.
Donc les Game Ward, s'il y a un jour où il faut vraiment tremper le maillot, c'est aujourd'hui. C'est imminent. Ah ouais, c'est imminent, c'est l'e-sport, c'est maintenant. Pas de Karma, pas de Varus, pas de Small... Pas de Cariadé cette game. C'est une game sans Cariadé. Oh, il reste des petits... Il reste Ezreal Graven. Il y a des Xayah, il y a les Eri qui sont revenus. Ça y est, les Eri commencent de nouveau à envahir la faille de l'invocateur. Alors, les Eri Lulu. Ouais, c'est vrai, à notre grande âme. Nico qui a été donc dé-disabled pour le coup, parce qu'il y a eu quelques semaines dans la LFL où on ne pouvait pas jouer Nico. Mais manifestement, Azir a remplacé Nico. On vous rappelle, si vous n'étiez pas là hier, que Azir n'est pas jouable actuellement. Et ce, sur toutes les régions. Ouais. Hein, il sera aussi disabled en LEC. Il a été en LCK dès hier matin. C'est une honte. Enfin, c'est une... Ah oui, 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 mais oui. C'est votre GOAT, ou alors le GOAT, peut-être c'est le GOAT de tout le monde, oui, qui avait décrété que bon, League of Legends aurait du mal à être pris au sérieux tant qu'on aurait ce genre de problème. Et bon, a raison. Ah, monsieur Chèvre a tout dit, hein. J'ai rien à ajouter. Donc une ouverture en Orianna qui devrait être Azir, en théorie, pour les Bekarog. Vous comprenez bien la problématique. Et Volibear, il est là. Alors Volibear, franchement, j'ai pas envie de me battre. Volibear. Franchement, on peut trouver un terrain d'entente et dire Volibear. ça va à tout le monde ou pas? Rire. Volibear. Un petit Voli, alors. Top, jungle, top. Flex. Meilleur en jungle, quand même, faut dire. Okay. Mais ça dépend, parce que c'est flexable. Et avec le retour de Renekton, Voli est bien dans Renekton. Et je pense qu'il est bien dans Kassanté, mais peut-être je me gourre. Alors, à mon niveau absolument dégueulasse, j'ai trouvé ça pas mal. Bah ouais, c'est... Non mais Voli, c'est... De toute façon, en 1v1, Voli, c'est un champion qui est très costaud. C'est une boule de stats, de toute façon, ouais. À tomber, c'est trop compliqué. La Zeri, mais avec le Nautilus de Steelback, Zeri dans Ezreal. Ok. Hansamdi qui va... Let's go. J'ai hâte de voir le Ezreal de Hansamdi, parce que... Vraiment, dans tous les déboires subis par Bekarog, il y a quand même un gars qui a le clic solide. Oh oui. C'est Hansamdi. Qu'est-ce qui clique bien, j'allais dire cet enfoiré, mais je suis contre lui, évidemment. Mais c'est juste... C'est affectueux. Ce salaud, c'est un salaud affectueux, parce que je suis jaloux. En fait, tout simplement, il clique super bien, le gars. Et du coup, pour revenir un peu sur cette Zeri, bon, alors c'est les fameuses Zeri sans enchanteur, donc pas de Lulu. A priori, pas de Karma non plus sur la mid lane, parce qu'on devrait y trouver le Nico. Et bien moi, Twix, j'aime pas ces Zeri-là. Je les trouve boosted. La Zeri non enchanteur, je la trouve boosted. J'avoue que je suis pas méga fan non plus. Surtout que... Ouais, y a déjà un peu de front, mais on va en rajouter, je pense, hein, du côté des Bekarog. C'est un peu du mal à... Après, je trouve que Zeri Ezreal se trouve bien dans cette game, tu vois. C'est vraiment deux champions, t'es là, ouais, bof. Oui. T'es là, bof. Franchement, juste bof. Ça devrait pas être la phase de lane la plus animée qu'on ait vue sur la bot lane. Surtout que, bon, il y a des picks support qui peuvent complètement climatiser Nautilus. Genre là, le Brome passe très bien. Hein. Le petit Brome. Ah, le Brome est nickel. Il est même assez sale, hein. Bah ouais, Brome est sale, bien. Hein. C'est un pur combo, ouais, je trouve. Hein. J'aime bien ce Brome dans la draft. Surtout que Brome Voli, c'est un peu sleeper, parce que il y a une qualité de Volibear, en fait, c'est qu'il a pas un mais deux resets auto-attaque avec le Q et le Z. Et donc du coup, pour stun dégâts, c'est du pain béni, hein, le truc. Alors ce sera pas Nida. Non, j'y crois absolument. Oula. Oulala. Oulala, mais un petit peu ce mid jungle et ce Voli dans la jungle. Mais qui meurt du coup, parce que comment on tue des gens? Bah pour l'instant, faut one shot la Orianna. Hein. Que Nico, ça fait. Il y a un moment de la game où ça fait un peu mal, mais c'est un petit moment de la game. Et là, je trouve ça limite dommage de partir sur une hache qui est peut-être la première. Ah voilà, ah, qui aurait été la première cible de ce Viego. Exactement. Alors que là, le Alistar, le Viego. Il regarde. Il est bien. Il prend toujours des photos. Il est pas mal, cet Alistar, dans la strat anti-Nico, en plus. Et dans ce sens-là, il est meilleur que Brome. Et un petit Renekton. Ah bah comme ça, on a et le Voli et le Renekton. Tu counter quoi, maintenant? Bah, en vrai, le Aatrox, c'est pas dégueu. Hein. Le Aatrox.
problème avec le Aatrox, c'est qu'il risque de se faire sauvagement tower dive par Voli Renek. C'est une game de Darius, ça. Genre là, non mais, ah oui, j'avoue, en vrai. Il y a trois gros corps à corps. En vrai, il n'y a pas Darius. Beaucoup de dégâts derrière. Moi, je dis, c'est une game de Darius. Si t'as un Darius, en vrai, c'est le moment de le sortir. Mais bon, faut aussi penser à la team comp. Enfin, les boules de stats topside de Bekarog, c'est effrayant. Ah, le duel top jungle. T'as au niveau 6, mais t'as tellement pas envie de le croiser. Oh, le Voli Renek autour du Herald ou des Void Grubs là. T'es là, non, les gars, on vous le laisse, hein, c'est bon, y'a pas de. De toute façon, déjà, la hitbox des deux champions prend la moitié de ton écran. C'est bien vrai. Les deux, quand ils pressent ult, genre, c'est 3 mois de salle. 3 mois de salle instantané. Ouais, ils sont vraiment massifs. On a un petit setup assez sympa pour les Bekarog avec Alistar, Orianna. Et après, juste. En vrai. Leur draft, elle peut un peu s'essouffler s'ils sont derrière, parce que c'est quand même beaucoup de stat check, hein, leur draft. Ezreal aussi, je le mets un peu dans cette catégorie. Mais le mid-game, oh là là, ah, ils ont un mid-game de fou. Ouais, ouais. Il est extraordinaire. Ouais, il est un peu violent, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que bon, là, Zeri 4 items, si elle y arrive, free game. Elle fait peur, parce que ni Renekton ni Voli ne vont aller chercher la Zeri. Ouais, ils ont de l'engage un peu. Encore une fois, ils ont de l'engage au stat check, un peu les Bekarog, c'est-à-dire on engage mais on court sur les gens. L'ité à quatre pattes, hein, en l'occurrence pour Volibear. Alors que bon, t'as quand même le hook, t'as quand même Nico côté Game Ward. Donc si jamais on peut pas se permettre de courir tout droit vers les ennemis, on est dans une situation un peu problématique. Et genre la Zeri, elle va juste piou-piou en mode hey, salut les gars. Ouais, moi je suis en roller. Après, il y en a quand même au moins deux qui peuvent venir la dash la Zeri. Alors je dis pas que c'est facile, hein, bien sûr, mais Alistar, Renekton, déjà ça peut aller un peu loin. Voli, ça reste un petit peu mobile. Mais ce que j'aime bien dans la draft Bekarog, c'est que non seulement c'est extrêmement tanky, énormément de stats, mais en vrai, faut vraiment pas négliger forcément les dégâts et de Renekton et de Voli. Ah ouais. C'est-à-dire qu'en mid-game, tu prends une cible, je sais pas qui tank à part le Cassanté, et encore je pense que le Cassanté tankera pas assez. Elle se fait allumer. Voilà, tu démolis le Viego, il rentre dans le fight, s'il chope pas un reset instant, il est foutu. Ça va être très intéressant de voir la game du Viego de Zixi, parce qu'effectivement il va y avoir beaucoup de moments où il va être là en mode je prends des photos, j'attends le bon angle. Descendez leur PV, j'arrive. Et la game arrive, mesdames et messieurs, Bekarog contre Game World, c'est bordi. Et premier match de la soirée, Bekarog contre Game World. On est rentré dans la faille. Pas de dinguerie de niveau 1 et pas de dinguerie de rune. Beaucoup de respect, je trouve, quand même, de la part de Hans Samedi. Tu respectes la cleanse avec le kit de Nico, éventuellement Viego aussi, hein, ça peut se défendre. Mais c'est assez respectueux, je trouve, malgré tout. Ah. Mais dans les faits, non, effectivement, pas de dinguerie. Assez conventionnel, pas d'exhaust. Non, c'est pas de prise de risque, hein, vraiment, des deux côtés. Même top lane, tu vois, c'est double Doran Shield. Après, dans un match avec autant d'enjeux, la prise de risque, je m'y attends un peu moins. Je pense que tu barricades, tu essayes de faire la win la plus safe possible. Si tu as un avantage, tu fais pas de folie jusqu'au bout. Je suis un poil étonné par le choix d'item jungle de 113 qui est parti sur l'enchantement vert, hein, Tenacity, machin, etc. Alors que généralement, quand même, sur un pick qui a l'engage prévisible et linéaire, tu préfères l'enchantement bleu juste pour le bonus de MS. Parce que vous voyez, Volibear, ça se joue avec célérité et waterwalking. Donc tout est une question de vitesse de cavalade. Et pour renforcer dans cette direction, l'enchantement bleu est quand même assez sympa. Donc voilà, petit point un poil étonnant, mais c'est mineur. On demandera à 113 ce qu'il en pense, si on l'a sous la main. Détenteur du titre du Viego de la LFL. C'est bien vrai, ça. C'est bien vrai, hein. Quelle offense de jouer Viego contre le Viego lui-même. Il incarne le Viego, il est Viego. Mais entre nous, enfin, Volibear, ça déchire Viego, mais tous les jours de la semaine. Ah, je pense, enfin, alors j'allais dire en early, mais je pense qu'en pur 1v1,
Diego a juste pas le DPS pour aller tomber un volley. Il faut vraiment que le volley se mette à danser devant le Diego. Je pense vraiment que volley est broken. Ah, j'en suis convaincu. Hein. Mais en ce moment, enfin, c'est une évidence. Hein. Oui, c'est un enfer ce champion actuellement. Ça a beaucoup trop de stats. Il me donne beaucoup de LP. Je le remercie. Mais ouais, il est assez zinzin. Meilleur en jungle, je pense. Parce qu'il a un très très bon pattern de clear, beaucoup de flexibilité, il est très healthy dans la jungle. Assez peu de défauts, hormis le fait de se faire kiter et d'être simplement une... C'est relativement un pic de victime, quoi, il est derrière. Alors, c'est sûr, maintenant devant, au niveau 6 avec un ulti devant, à la botlane... Devant, c'est débile. Voilà, tu peux vraiment absolument tout faire. Ça bosse bien ici au niveau de... Il a E-in, mais il est chaud. Plein de sang-froid. Il a son Alistar qui passait niveau 3 derrière. Il a sa cleanse. Je pense qu'il a... Il a pas spécialement peur des dégâts de la Zeri à ce moment-là de la game. Ouh, 113 qui veut attaquer directement Peng. Le stun passe bien. Heureusement que Peng flash et même encore comme ça, c'est pas assez. C'est honteux. Il l'a démarré. Le champion est honteux. Alors, et tu sais que le E est même pas passé. Hein. Ça a fait bizarre parce que je crois que la foudre est tombée en même temps que le coup de griffe, mais... Il y a un midlife qui est parti instantanément. Je crois que le E est pas passé, je peux me tromper, mais la tempête de Volibert, ce skill fait vraiment des dégâts de... Non mais, allô ? Ah, ça n'est pas passé, hein, je pense. Hein. Allô, les c'est dégâts ? C'est juste le Comet Scorch, puis le Q de Voli fait mal, hein, de rien. Bon, alors, mais c'est un pique. Peng est très très content de ce qui vient de se passer sur sa mid lane. Ouais, surtout qu'il a burn son flash, Checo là encore, ce qui fait que niveau 6, on peut remettre le couvert assez facilement. Avec une petite onde de choc. En plus, il a un back TP qui est vraiment pas dingo, quoi. Là, on s'est mis une petite tire dans la poche du côté de Checo, on est safe. Voilà, on sent qu'il y a une différence de flash, on peut à peu près tout se permettre. En plus, il a une double ward juste, enfin ward carapateur avec la petite pink au-dessus. Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée de se cosplay en Zeri pour l'animation d'auto-attaque. Est-ce que tu gagnes tant que ça? Je sais pas si ça scale sur l'attaque speed de Nico parce que... Ouais, oh, il sait ce qu'il fait, faut faire confiance à Peng. En vrai, c'est un laser instantané. Hein. Mais t'as l'habitude avec Zeri de que ton auto-attaque fasse pas de dégâts si t'es pas stacké. Alors, ça doit être bizarre, ça doit être bizarre. Mais ouais. On fait confiance à Peng. Mais hein, il spam, hein, il spam. Donc effectivement, ça a dû être... travailler à l'entraînement. Alors bon, la classique, ouais. Je veux freeze. Non, tu freezes pas. C'est les deux supports. Il va quand même pouvoir. Ouais non, il peut pas du tout freeze. Autant pour moi. Attendant, les grubs, voilà, hein, qui sont tout aussi vite fait du côté de ce volley. Il est en train de démolir les grubs. Ça va tellement vite. La chaîne d'éclair met très très bien dans ce setup. C'est un bon perso pour 113, ça. Oui. Vraiment. Bon perso un peu idiot. Qui permet d'aller très très deep. Ouais. De faire des folies. Oh, Checo. Souvent trop. Checo. Oh, la tondeuse. Ah non, ça a touché, ça pardon. Touche. Ça a touché du bout. On n'avait pas de comète, on n'avait pas de scorch. Sinon, on avait probablement le kill. Mine de rien, les Game Wars qui s'en sortent assez bien. Malgré ces difficultés ressenties mid lane. Parce que bon, ils ont le premier dragon de leur côté. Ah. Ouais, c'est vu par Pantera avec le brouilleur. Il va lâcher sa ward au passage. Personne n'a envie, du côté de Game World, je pense, d'affronter le volley sur ce timing. Non. Mais voilà, les Game World, ça pourrait être pire quand même. Faut le dire. Le fait d'avoir ce petit dragon et de profiter de... Ouh, du bon spot. Oh, oh, c'était un clan. C'est mal payé. Qui le laisse mourir par les coups de tour. J'y crois oh, pas. C'est rare, le headbutt qui part, mais qui ne cancelle pas le back. Oh, c'est terrible. Oh, j'y crois pas. Ce micro moment d'hésitation. Antera en mode... On dirait les gangs de chips sur ta top lane. Oh, putain. Il hésite en plus. Mais oui. Et non, c'était... C'est ce micro moment d'hésitation qui probablement lui coûte au moins le cancel. Bon, après, enfin, comment dire, c'est nul et Antera s'en veut, bien sûr. C'est un kill pour un Nautilus, il n'y a voilà. Aucun assist. Techniquement, effectivement, ça change pas grand chose. D'ailleurs. Le support un peu plus tanky pendant qu'on a une agression. Il y a 113 y a qui est de hein. La partie, il a un ulti, encore 113. Antera, il va avoir du mal à s'en sortir. Antera, il a plus le flash, il utilise tout à l'heure pour aller sous la tour. Et finalement, on va en rester là en laissant un kill à Game Ward.
Ouais, c'est du 1 pour 1 avec un Zixi qui va très 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 deep. On arrive à récupérer le trade kill. Pain qui se prend une rafale de tourelle. Enchanté. Mais on va dire qu'on est even sur cette action. Avec quand même un grand gagnant. C'est la Orianna de Checolade. Crac, qui se met incroyablement bien. Ça lui permet un free push. En vrai, Hank Samedi, il a ses deux kills, il est content. Oh, Peng, 113 qui est resté un petit peu trop longtemps pour freeze cette vague. Mais Peng qui solo carry sans même être dans l'action, parfois. Je me remets pas de... Oh là 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 là. C'est l'e-sport, hein. Steelback qui a senti que c'était un peu bizarre comme situation. Heureusement que Peng est là. Peng en mode Solid Snake là. Parce que sans Peng, ils y vont tous. En 113, il ulti pas out. Joli buffer de 113 au passage. Mais en vrai, là, combo là, flashé. Xixi, tu cherches un petit peu. Il voulait deny la wave au botliner adverse, qui peut s'entendre. Après bon, 113 a évidemment freeze into Peng qui le punit. Mais il freeze. Mais, là, mais le farm est là, quoi. Sa botlane lui en sera reconnaissante. Il est vrai. Eh ben, elle est animée, cette game. Hein. Sauf Sauf, oui, entre les deux. Ah, honnêtement, ça se passe toujours comme d'habitude entre Renekton et Cassanté. Ouais. Ah, avec les micro-nerfs successifs de Cassanté, oui. Ça se passe... Chaque fois qu'on y revient dans ce match-up, à chaque fois un petit peu mieux pour le Renekton. Ouais, je suis bien d'accord. Mais oui, Cassanté qui a un peu perdu sa superbe, qui va prendre ses deux plaques, et qui là, est peut-être mort là. Le bon, là, il va avoir. Oui. Ça va être compliqué, on va dire. Alors, ça va être un gros ulti de 113, même pas besoin. On a mis celui du côté de Pride. Bon, vite, il va se faire rattraper, il court vite, mais pas assez vite pour échapper à la guillotine de Howling. Pas si mal, honnêtement, comme défense de Pride. Grenade à SM, mais on est sous la tourelle intelligemment. Bien entendu, ce sera pas assez pour survivre. Est-ce qu'on peut emmener quelqu'un? Le reset d'aggro est clean. L'arrivée de Checolade peut-être. Link avec un combo. Ah, il est vu, Checo. Mais est-ce que Antera peut se propulser? Il a pas de flash Antera. Il va avoir du mal à faire quelque chose. En samedi, avec très peu de portes de sortie. Son positionnement, je le trouve bon. Il a le mérite de bloquer le DPS de Zeri, bloquer le hook de Nautilus également. En tout cas, dans ce qu'il pouvait faire pour se prémunir, bon, il a tout donné. Certes, maintenant, ça reste une Zeri en 2-0 avec un bon farm. J'ai pas vu si elle avait récupéré beaucoup de plaques. J'en ai pas l'impression. Bah en fait il y a une pink ward sur la tourelle qui est bien relou, faut le dire. La plaque. Donc c'est impossible de savoir. Puis c'est une pink ward Bekarog. Ah merci les amis. Non mais ça c'est mal intentionné envers les casters. Ah, c'est bug exploit. C'est juste pour emmerder le mode spec. Moins de ban pour Bekarog la semaine prochaine. C'est validé. Validé. Et deuxième dragon qui est pull pour Game Ward. On va aller à la défense. On a un reset de Peng. Il a une TP pour revenir rapidement. Un petit peu de retard du côté de Hans Samedi. Mais bon, c'est un voli. Hein. Il peut toujours dash in et voler ce dragon. Et d'ailleurs, on le sait côté Game Ward. On va essayer de temporiser notamment le retour de Peng en lane. La boule est très bien positionnée. C'est assez compliqué de rentrer dans ce pit. Mais Peng a trouvé un angle. Et c'est parti. Par contre, le dragon a été récupéré par Antera, par le headbutt du Alistar. Mais et non. Le kill a été récupéré sur Peng. De l'autre côté, c'est 113 qui est tombé. Mais les Bekarog sont en chasse. Faut faire attention à Zixi dans la backline. Ouais, je sais pas s'ils ont vraiment l'ambition de tenter. Très bon flash out de la part de Steelback. Zixi qui tente le coup de l'arnaque. Mais il va se faire attraper hein, s'il continue. Et après, dans ce genre de phase de jeu, c'est Hans Samedi qui rentre un peu dans la mêlée. Qui peut arroser de tirs mystiques. Mais comment Antera récupérer ce Drake? Je crois que c'est le headbutt. Je sais pas si c'est le headbutt ou c'est l'auto. Mais ça fait 80 de dégâts, c'est pas possible. C'est un truc de fou. Game n'a aucun sens. Il se passe des choses avec Antera dans cette game. Aucun sens cette game, vraiment. Antera qui s'est racheté, finalement.
parce que là, bon, il voit les TP. Il y a un très bon flank de Peng. Il trouve un très bon ulti. Un PV ! Un PV ! Un PV ! Un PV ! Oh, un PV ! Terrible. Un PV ! Un HP ! Non, mais... Oh, c'est trop... Les dragons récupérés par Bekarog grâce à ça. Le Fechek qui fait mal, le Fechek sur 113. 113 pour être ulti, dessus. Il vient chercher Zixi. Zixi, il a encore un flash et un premier ulti out. Calme-toi, 113. Mais non, il y va, il veut y aller. Peut-être à l'heure, il a flash. Et l'arc Térébondum, ça dit qu'il ne touchera rien. Bang, avec un superbe setup. Qui peut linker, personne ne tombe. Où sont les dégâts? Il en manque. Mathias n'arrive pas à les trouver. Zixi non plus. Et cette tour vivra. Non mais Volibear, ça transforme les hommes. Hein. Mais c'est normal. T'as toujours envie d'aller de l'avant, c'est comme un Lee Sin. T'as un sentiment d'impunité. Bon là, situation compliquée quand même pour Pride parce qu'il vient de burn son ulti. Et il reste 2 minus. Donc autant vous dire que cette T1, elle est finito. Et c'est bel et bien la première tourelle du match. Et Colin qui va mettre. Ah, c'est cool pour Link parce que hier son Renekton était très suspect. Et aujourd'hui, il a une assez belle game devant lui. Avec un petit plus 1700 gold sur son topside. Ah, il est en train de bouffer Pride pour le coup. C'est pas photo là. Un énorme croco. Croco Black Cleaver hein, dans le match-up bien sûr, mais on sait que le croco il aime beaucoup l'éclipse en ce moment. Je pense que son spike de item va être très intéressant. Oh, peng. Il y a les renforts tout de même. Attends. 213. C'était le clone, mais le clone reste 1000 ans, c'est quoi c'est ça? Horrible. Mais moi je me fais trickster. Et plus d'une fois. Bon. Héros de la faille récupéré de l'autre côté par les Game Ward. Est-ce qu'il n'y a pas un push au mid à venir trouver là pour Bekarog? On a une bonne pression en bot, on a un peu de vision, on a le Folly qui est là sur le côté. On ils est une mid, hein. Satisfaisante. Avec les Void Grubs en plus. Ah ouais, on est x6, hein. On perd le Herald, mais on est x6 en Grubs. On sait quand Terra est là. Non. Alistar avec Crown, c'est injouable. C'est un peu petit bras. Oui. C'est un peu petit bras. Ah, Alistar, ça se joue bobsleigh. C'est l'Alistar des vrais. C'est sûr. Mais je crois que c'est... Non, c'est nerfé sur le prochain patch, je crois, bobsleigh. Le bobsleigh. Je crois que c'est 0.5 où il est okay. Un peu hard nerf. Bon après, la Crown n'est jamais un mauvais objet. Hein. Ah, c'est sûr, ça fait un peu redondant avec le kit d'Alistar, mais il y a un Viego, quoi. Oui. Il y a un Viego et le Alistar, c'est vraiment la première ligne. Voilà. Que Alistar, c'est un bête de reset hein, pour Viego, pour le coup. Alors complètement. C'est le reset, headbutt, atomisation, ouais. Il est extraordinaire. Ouais, mais non, mais on peut comprendre. Avec un aftershock, t'es là pour tenir. T'es là pour mettre des gros engages. Et pour espérer repartir vivant de la mêlée. Mais enfin, genre vraiment, je suis dans la game là, mais je déteste Peng, tu vois. Je déteste avoir une Zeri se balader tout le temps. Le mec se cosplay chaque frame, il est insupportable, c'est merveilleux. Il arrive à me tilter. J'imagine même pas l'état d'esprit des Bekarog, ils sont là. Attends, c'est qui? Ouais, mais on n'a pas vu Zeri. Attends, il y a Viego là. La micro de son clone, elle me rend zinzin. Peng est trop chiant sur ce pic. Bravo à lui. Mais ça rend la lecture du jeu extrêmement compliquée. Mais juste bravo. Ça m'irrite beaucoup, mais c'est impressionnant. Ah, surtout que le mode spec est pas toujours clément quand il se passe beaucoup de choses pour tout de suite remarquer. Dans certains fights que voilà, Peng n'est pas cette Zeri. Il n'est pas la Zeri qu'il pense être. Et troisième dragon, engage dans Terra sur Steelback, c'est pas lui qu'on veut venir chercher, mais on va essayer de tout mettre sur le support, le flash out. C'est un clone en plein milieu de la mêlée, un clone Peng. Du Viego et Peng est juste derrière. Mais il n'y a pas de follow-up, on était sur la volonté de le faire, Mathias essaie toujours de blaster. Peng devrait tomber, Le flash qui partira trop tard. Et pendant ce temps-là, le zoning de Holly, il y a trop de stats chez les Bekarog. Mathias qui est pas mal non plus, mais il est sur le point de tomber. Il n'y a plus vraiment de marge de manœuvre, mais on sent que cette Zeri... Et pas loin de réaliser le clutch. Zixi, tu es sur une ward memo. Ah, il partira à grand coup de flash. On voit tout de même ce que ça peut donner quand la Zeri aura beaucoup plus de stuff. C'est elle pas... va arracher la front. Par contre, ça fait qu'actuellement...
Et Checo qui prend son kill. Il va aussi aller chercher Mathias. Attention, il n'a pas vu Pride encore. Il aura l'info. Oh, il a loupé! Avec l'arrivée d'Antera, peut-il partir en vie? Prime Man Ultime, et il sera sacrifié pour ça. Le Blasting Cone dans les bras de 113. Cassanté Gaming, Cassanté. Non, non, tout va bien. Oh, Chocolade, la bavure un peu. Hein. Un peu bizarre comme phase de jeu pour Checo, qui a loupé son QW. Bravo à Mathias, hein, qui a bien slidé par-dessus le mur. Il fait une belle game, Mathias. Mais voilà, il a beau... Il a beau avoir un bon pic, quand d'un côté, c'est Renekton qui avance, et de l'autre, c'est Voli, l'espace que ça crée, il est quand même grand. Ouais, tu sens que sans le Dominique et tout, il va mettre du temps. Bon, honnêtement, je pensais qu'il allait être plus horrible que ça. Après, bon, il est en 3R. Hein. 3R, bon farm. Mais, alors, oui, il y a 4000 gold et un petit espoir. Alors, une fenêtre, il y a un angle d'attaque, il y a une condition de victoire. En fait, il y en a une, pas deux. Ce qui me dérange, c'est que, bah, en fait, la game de Peng, là, il est littéralement à son prime. Ça ne va qu'être pire, vraiment, pour cette Nico. Son stuff, il avance pas. Son scoreboard est un peu terrible. La Orianna est en train de le sulfuro outscale. Et le problème, c'est qu'on l'a vu sur le teamfight précédent, Peng il arrive, il met un ulti. C'est une Nico support. Hein. Voilà, il n'a pas vraiment fait de dégâts. Mathias, il peut pas suivre parce qu'il y a quand même deux gros sacs de points de vie qui lui courent dessus. Personne n'est assez chunk pour les resets. Donc il faudrait juste Zixie. Mais Zixie, il tue pas, même s'il y va, il tue pas. Et après, bon, bah si Zixie meurt, fin du fight. Donc elle est compliquée en même temps, cette position de Peng. C'est de trouver des contrôles, mais pour personne. Je pense qu'il a encore... Là, c'est relativement décent, il a son spike 2 items. Il vient d'arriver niveau 11, donc il a un petit second souffle qui peut être intéressant. Mais il lui reste un shot, sincèrement. Et après, je pense que la composition Bekarog va automatiquement être trop biffy. Et la Nico tombée aux oubliettes. Alors, il peut toujours y avoir un scénario où il atteint les bonnes cibles. Mais rien que le Séraphin en vrai. Attends, il cherche le bump, il trouve le bump avec l'héros de la faille en transition vers la mid lane. Je pense qu'ils auraient mieux fait de le laisser charger au top. Et il repart dans l'autre sens. Très bien. Oh, grand mot, les grands remèdes. Il va pas faire grand chose ce héros de la faille, hein, par contre. Ah, il va se faire bouffer. Mais là, Oling, il a pas peur voilà, d'aller chercher l'œil. Cassanté ou pas derrière. Putain, il va. Non, il y a la wave derrière. Il n'y a rien à faire hein, pour Pride. En fait, Oling, il joue prudemment. Il se dit, mais attends, mais pourquoi il joue comme ça lui là? Il y a du monde derrière ou comment ça se passe? Il y a Sunpair, et maintenant qu'il a vu qu'il y avait Sunpair, et bien il y a 113 qui arrive à la rescousse. Pride qui a mis le ghost, alors c'est un Cassanté Gaming peut le tuer. Ah, le tuer s'enfuir. Il y a du backup. Le cooldown du Z, il n'y a pas besoin, il va même essayer de turn. Mais ils peuvent pas, c'est les deux gros, ils ont encore leurs ultis, ils ont encore tellement de choses, on y va à 4. Il y a une téléportation qui est en train d'arriver, c'est Peng sur le côté, oh là Orianna aussi, le S en train d'arriver, on va jouer un 5 contre 5. Antera qui vient de rejoindre le fight, 113 qui devrait tomber, Oling s'est enfui. Shockwave qui connecte sur Peng, superbe stopwatch de ce dernier, on a Mathias qui est free DPS avec son ouragan Brunel, est-ce que ça peut être suffisant? J'en ai bien l'impression, l'arrivée de Hans Samedi enfin. On s'échange coup pour coup. Il y a tellement avantage de flash. Avantage Zeri, superbe flash, mais c'est suivi par Antera. Et derrière, on s'est dit complètement free DPS et il a pu enchaîner. Ce sera du 3 pour 1. Mais ce que ces champions permettent de faire, Renekton Voli, ils ont fight à 2 contre 4 le temps que toute la carte arrive. Ah, il y avait un petit côté idiot sur cette phase de jeu. Mais écoutez, les Bekarog qui en sortent grands vainqueurs. Oui, je pense, grand vainqueur, il n'y a pas moyen de contester l'objectif dans cette situation. Néanmoins, je salue la tentative de Mathias. Attends, il y a quelque chose? Non, il n'y a rien, les gars. Hein. Enfin, tu me diras, il y a un dragon qui est tombé à 1 PV, rien n'est impossible. Hein. Ah, ils sont stop DPS. Il n'a pas son smite, en fait, 113, il attend son smite. Ouais. 3, rien n'est impossible. 2, 1, smite, c'est bon. Dommage. Ils ont attendu. Le truc, c'est que nous, on sait qu'il a 2 secondes de son smite. Game Ward, on n'en a aucune idée. Ah, bien d'accord.
Donc voilà, je salue l'initiative de Mathias. Il a tenté son outplay. Mais Antera, pour le coup, était assez bien affûté. Parce qu'en fait, il a headbutt, mais il n'a pas atomisation. Il savait qu'il y avait un truc derrière et du coup, il a follow avec son flash atomisation. C'était rudement bien joué. Il faut les réflexes, hein, ce qu'il a follow très très vite. Ouais. Ouais, bien joué, Antera, pour le coup. Ah, il fait une très belle game. Si on nommait son move, on peut pas. À la mid lane. On peut pas. Mais on l'a tous en tête, malheureusement. Ah, on peut pas. Donc sa game est cursed de notre point de vue. Ah, totalement. D'ailleurs, il a été report. x9. Troisième dragon, double extech pour Bekarog. Ça commence. Le truc, c'est que là, on en a parlé, la compo de Bekarog. Alors, on y reviendra après. Howling, il a le Dominus. On va mettre l'ancre. Les renforts sont en train d'arriver. Il y a aussi, bien sûr, le Sterak qui est en train de proc. Un double dash. C'est insolent. Mais il va crever, oui. Mais non, c'est bon. Le kill sera récupéré par l'Azeri. Mais au bot, on souffre. Il y a un push avec un Baron Nashor. Intombable, le truc, hein. Ah, sa mort vaut le coup. Attention. Bah, vu que Mathias est mid, en vrai, il n'y a pas besoin de faire attention. Par contre, sans Mathias... Wave clear, là, c'est Nico et Viego. Ils vont tenter de finir. Surtout qu'il n'y a pas de dégâts, il n'y a personne pour menacer la compo Bekarog. Alors ça défend, il y a peut-être T1, T2. Peut-être que c'est le bon choix qui est fait du côté de Game Ward. Ouais. On va tenter de finir ou pas. On est impatient côté Bekarog. On se dit qu'on peut aller chercher cette win. Le début du back de Mathias qui est en train de revenir. Oh, est-ce que là le mal ne s'est pas déjà fait pendant que 113 tank la terre entière. Superbe engage, belle synchro, Volibert, Orianna. La défense est toujours envisageable pour les Game Ward. Il faut juste un tout petit reset. C'est Antera qui go en première ligne. On a plus de mana pour Checolade. Ça peut se retourner contre les Bekarog, cette affaire. Ozzy, ça peut se retourner. Il trouve pas le reset, il trouve pas le kill. Il reste plus que vraiment Hans Samedi. Checolade n'a pas un pet de mana, mais le Nexus est à nu. Il peut finir en samedi, il peut tenir Mathias à distance. Mathias qui va tenter son ulti. Mais il peut manger. Calmé par 113 et c'est Volibert. Est-ce qu'on en parle de Volibert? C'est indécent. Ce champion est indécent. Tu te rends compte qu'il a tanké les deux tourelles Nexus, hein? Quelle action de zinzin. Renekton Voli. Ouf. Ah, y a eu quelques loupés hein, quand même pour les Game Wars dans les dernières actions. On a un peu mal jugé le call. Après, le call était quelque part... je comprends ce qu'il voulait faire, on a tous compris, évidemment. Le truc, c'est que Volibert a flash, stun, shockwave en synchro. Bon, niveau outplay... Y a pas grand-chose et le Viego a un peu confirmé ce qu'on pensait. C'est-à-dire que la compo Bekarog passe un peu devant, il a pas de quoi tuer, il a pas de quoi trouver un reset. Quand il veut trouver un reset, il est obligé de tenter un move sur la limite. Ça marche. Même s'il tue, il a même pas le temps de se diriger vers le cadavre qu'il est venu chercher. Bah ouais, je suis bien d'accord. C'était une game de Viego pas loin d'être impossible, sincèrement. Je vois pas ce qu'il pouvait faire de mieux, à part jouer les teamfights à la perfection. Ce qui est bien sûr beaucoup plus facile à dire qu'à faire, vu le niveau de difficulté attendu côté Game World. En tout cas, mais côté Bekarog, on s'est adapté, on a joué la méta, on l'a joué bien sale, mais on va bien sûr aller débriefer de tout ça en plateau d'analyse avec Roba, avec Tréton, avec Chips. Messieurs, c'est à vous. BKR qui relance un peu la machine sur cette victoire face au Game Ward et qui du coup devrait très fortement se rapprocher de cette fameuse situation de qualification en playoff. Bah, ils ont 9 wins, c'est un peu comme Géo, je pense qu'on a un pourcentage peut-être des tout petits qui font que mes couilles, c'est bon, ils y sont quoi. Ouais, on est d'accord. Des BKR qui ont donc utilisé, alors ils ont beaucoup parlé bien entendu Twix et Noix, mais le fameux combo Voli Renekton, les deux ultis qui te donnent des stats de fou furieux et qui te rendent bien godlike en early mid game. Avec Alistar en plus. C'est vrai qu'en termes de tankiness, quel combo traitons? La frontline est énorme, la range évidemment avec Orianna, Ezreal est très bonne aussi. Ça m'a mis très bien. On dirait qu'il fait un peu une game à la manière de Mirtus hier, où il y a un early où il se passe des choses de fou sur Alistar. Mais derrière, c'est vrai qu'en fait, il a réussi à faire le travail. Et pour Game Ward, ouais, on avait un petit manque de dégâts pour passer cette frontline, même si je pense qu'avec des items, peut-être que la Zeri aurait pu faire des trucs. Mathias en plus a fait des teamfights qui étaient globalement intéressants.
mais ils se sont fait stat check tout simplement, quelque chose que l'on risque de revoir si jamais Volier et Necton sont laissés ouverts à la même équipe. Peng a beaucoup tenté aussi Roba, mais voilà, Nico n'est pas vraiment de ce type de champion qui peut percer des frontlines aussi épaisses. Bah, le perso a quand même du potentiel, mais disons que c'est un peu plus slow que d'autres mages. Tu vas chercher une proto-belt quasiment obligatoirement en first item, du coup il te manque un peu ce petit peps. Certes, ça coûte pas très cher, c'est en promo la proto-belt, mais ça donne pas énormément de dégâts. Il partait, je crois, sur un Shadow Flame ou autre en deux, mais on a mis un peu trop de temps et les Becker s'en sont bien servis avec le Baron Nashor. On a réussi à trouver une fin de game. Ça aurait pu être compliqué, comme Tréton l'a dit, il y avait cette Zeri qui, dans l'ombre un petit peu, Mathias faisait son taf. Il avait récupéré T1, T2 mid. Si la game avait duré un peu plus, je pense que la compo Game Ward aurait pu se mettre un peu en place. Mais les Becker ont bien joué, on en a parlé, ils ont overstat, ils ont réussi à rouler sur leur league game et derrière ils ont bien déroulé. Mais je pense quand même que Game Ward peut s'en vouloir, parce qu'avec un peu plus de temps dans la game, je trouve pas que leur compo soit si horrible que ça. Ouais, mais bon, comment tu fais pour gagner du temps quand même tes tours ne te protègent pas de Volibear? Oui, c'est vrai que c'était le problème, on l'a vu d'ailleurs sur le dernier dive avec une belle coordination entre le mid jungle de Becker sur le flash in de 213. Il y en a aussi la game dans le samedi, hein. Lui aussi il était là, il tabassait, on peut le voir d'ailleurs à la fin là. Effectivement, et puis Ezreal avec autant, parce que c'est un peu le truc avec Renekton Voli, tu peux pas ignorer ses champions. Donc pour le Ezreal, t'es là à longue distance, tu vois ta frontline qui fait le boulot et du coup tu n'as qu'à ajuster les skill shots. Il a le buff ADN qui fait qu'il a un bon Ezreal en plus, donc c'est clair qu'il fait une bonne game. Et Becker qui se rassure, c'était aussi le but de ce match, c'est que Becker récemment c'était quand même pas terrible. Mais on rappelle, hein, sur les matchs retour, c'était une seule victoire pour Becker. Oui. Et là il vient enfin en chercher une, 9 victoires du coup. On fera le bilan bien sûr des probas la semaine prochaine, mais dans l'idée, BKR a peut-être enfin trouvé cette victoire qui les met en sécurité. Par contre, pour Game Ward, c'est un peu la merde, parce que du coup on se retrouve à 6 victoires pour 10 défaites, au maximum tu t'appelais 8. Ils ont pris une chaîne news au mauvais timing, et pour les playoffs ça devient de plus en plus difficile pour eux. Malheureusement. Après ils ont quand même déjà 6 victoires, tu vois. Là actuellement ils sont pour l'instant ils sont égalité avec Vita, quoi. Après honnêtement, vu Il y en a plein qui sont à 7. Vu l'état actuel, on peut imaginer qu'un tie-break se joue à 8 quand même? Ça semble pas délirant. Ouais, mais le truc, c'est qu'ils ont perdu un petit peu en match retour. Enfin, ouais, c'est pas impossible, mais c'est quand même. Enfin, en gros, ils doivent vraiment tout gagner et croiser les doigts, ce qui est vraiment pas la meilleure des situations, quand même. Et leur agenda? On a fait tout ça en pré-show. Alors, si vous voulez, honnêtement, des mises à jour sur tout ça, Twix et Xené ont beaucoup travaillé justement pour qu'on se projette vers les probabilités, les chances d'accès aux playoffs. Si vous voulez toutes ces informations-là, restez avec nous jusqu'à la fin de la soirée en post-show. On vous les donnera évidemment avec grand plaisir. C'est vrai, ça. Bonne remarque, Tréton. Alors, on devait avoir Holding en interview, messieurs. On est parti donc avec le top laner des BKR. Hello, Holding. Congrats. Hello. Congrats for the win. It was a very important one, considering the state of BKR since some weeks. How do you feel after this very important win? I'm happy for this win, but recently we play kind of bad, but we outscaling for playoffs. I don't worry. Yeah, this one was very important. We talked a lot about the association of Volibear and Renekton, two picks who seem to be really overstat when it comes to fight during early game and mid game. Did you feel threatened at any time when you had those two champions together? After draft day is finished, I thought we pre-win. Woman is specialist for Bolivar, and I'm specialist for Renekton. It's game over. It was game over, yeah. What do you think of your mid laner, Oling? How is it playing with Chocolat? So cringe, but... Yeah, he's weird, yeah. No? Yeah, I'm sure he's a great guy. Most great guy in EU, I'm sure. Do you like playing with him? Yeah, but sometimes I don't like. You can see. Yeah, and you know, guys. Are you happy playing with Hans Samdi, another Korean on the roster? Are things going well between you two? Yeah, I think we play worse than I thought of it, but still fine. And anyway, we will win LFL. Nice.
You will win LFL. So yeah, so you are confident for the remaining of the tournament because lately Bekarog has some difficulties, but you feel confident for the future and for the playoff? Yeah, for sure. And it's much better than last year's team. Yes, just and what do you think will be the hardest opponent to face in LFL? Is it BDS, KC, GO? Who do you think will be the other team that will be hard to beat? In highest level, I feel every team is kind of similar, but now maybe BDSA is stronger team. They have not weak side. Everyone is kind of strong liners, but we are same too, I feel like. Just if we don't tour, we can win. And if we talk about the other top laners, Holling, who do you enjoy the most facing on the laning phase? Who do you have the most fun and the most tough matchup to play against? You mean who is? Yeah, who is the other top laner who you enjoy to play against the most in LFL? Like the guy who is the hardest to play against? I think Lat is good in line phase and some special champion Nakuna who is good in line phase too. It's funny to against them. Okay. Well, thank you, Link, for all the answers. We got the MVP of the game, and it's Chocolat. If I'm right, yeah, it's Checo. It's Checo. Any thoughts on his Orianna? No. You did my book. I'm so scared. Holling, do you have any final words before we end this interview? Do you want to say something? Hey, come. What? Okay. David. Say something. Funny thing. Hello, thank you, Holling. Congrats for the win, man, once again. And see you next week, of course, for the last week of the regular season. Goodbye, man. See ya, man. Thank you. Goodbye. Bye. Thank you. Merci. On sent l'entente, mais à chaque fois qu'ils visent leur game ensemble avec Checo, parce que t'es allé les voir récemment. Oui, il y aura un contenu qui va sortir bientôt avec Twix. On allait les voir dans leur gaming house et ça tenait à cœur à Holling d'essayer de faire une interview. Ouais. Parce que son anglais s'améliore de plus en plus. Ouais. Il travaille vachement là-dessus et on peut pas, tu vois, qu'il est grave cool avec Checo. C'est vrai qu'il y a une entente particulière entre les deux et c'était intéressant d'entendre son point de vue sur BDS Academy, qui est aussi une équipe qui n'a pas de weak side selon lui, qui n'a que des bons joueurs. Et il sent qu'eux aussi, avec Becker, ils ont cette force-là potentielle. Donc il voit les BDS comme peut-être les plus gros rivaux. Et il trouve que c'est Lot qui lui donne peut-être le plus de fil à retordre en termes de phase de lane, top lane. C'était Naknako aussi. Mmh. Il aime bien jouer contre lui. Mais bon, on a de la chance quand même en LFL, on a beaucoup de bons top laners. Oui, bah les deux. Enfin, Lot et Naknako, je crois. Enfin, Lot doit être top 10 du ladder et Naknako pas loin non plus. Non, mais ils sont mécaniquement, c'est des mecs. Ouais, c'est, ça joue quoi. Ouais, bah sachant qu'à côté, on a quand même des gars comme Jenax, ancien LOC, on a vu ce qu'il est capable de faire. Mentor est très bon aussi. De toute façon, en top 1 dans LFL. Il y a du monde. Si tu regardes dans LFL, historiquement, il y a toujours des gros tops. Ouais, quand Irrelevant est monté en LOC. Ragnar, il y a pas si longtemps. Ragnar, ça se passe pas super bien chez Mate, mais il était dans les débats pour jouer en LOC il y a 8 semaines. Donc. On est d'accord. Mais donc voilà, mesdames et messieurs, félicitations au BKR qui relance la machine et qui donc, d'après ce que j'ai compris, ont 99,9% de chances d'accéder aux playoffs. Et au passage, cette victoire de BKR qualifie GO en playoff officiellement. Donc voilà, pour l'instant, en playoff, on a sûr et certain BDS Academy, KC Blue et GO. Et BKR vraiment pas loin, on est tous d'accord. Mais oui, il passe. On est tous d'accord. Donc voilà, mesdames et messieurs, cela conclut le premier match de la soirée. Mais ça va enchaîner, bien entendu. Restez avec nous. On a un Vitality B contre GO qui arrive justement. Les GO tout fraîchement qualifiés avec cette victoire de BKR face à des Vitality B qui, de leur côté, ne sont toujours pas qualifiés, mais ont une très très bonne dynamique. Et d'ailleurs, on va avoir ce fameux Lot contre Naknako dont nous parlait Holling juste avant. On se retrouve juste après la pause sur OTP.